Salut tout le monde, ici Stéphane du 83 et bienvenue dans le main event d'Euro. Roman Reigns affronte le Miz. Donc Roman Reigns, hein, le challenger numéro 1 au titre universel, qui n'a toujours pas de combat prévu pour Extreme Rules, va ce soir affronter le Miz dans un match à un contre 1. Le voici donc, le Big Dog. Le gars. Bah, il se nomme comme le gars, Roman Reigns. Et il va devoir donc le prouver encore une fois pour prouver qu'il est le challenger numéro 1 au titre universel, qui, je le rappelle, sera défendu pour la prochaine fois. Donc c'est déjà confirmé, on ne sait pas encore ce sera contre qui. Mais le titre universel sera défendu contre Roman Reigns. En plus, j'ai même pas prévu de faire combattre Roman Reigns, hein, ce sera par rapport au classement. Non, excusez-moi, le titre universel sera défendu. La prochaine fois à SummerSlam, c'est ça que je voulais dire, voilà. La prochaine fois que le titre universel sera défendu, ce sera lors de SummerSlam. Brock Lesnar défendra son titre pour la prochaine fois lors de SummerSlam, donc. Et son adversaire, habitant à Hollywood, en Floride. Le Miz. Le Miz, comme dirait Christophe Ajus. Même si bon, là, il n'y a pas Maryse. Il n'y a que le Miz. And on top of that, this match will undoubtedly have a big impact on where these guys stand in the next WWE.com power rankings. And there's been so much upward movement from new faces over the past few weeks that dropping more than 10 spots following a loss isn't necessarily out of the question. Allez, c'est le main event d'Euro, c'est le dernier Euro avant Extreme Rules, c'est parti, Roman Reigns contre le Miz. Et la première souplesse, ensuite un coup de poing porté par Roman Reigns. La manchette désormais de Roman Reigns. Souplesse arrière du Miz. Et le DDT du Miz. Il relève maintenant Reigns. Et il écrase au sol avec un side slam. Il relève encore une fois Roman Reigns. Il le projette dans les cordes. Le Miz s'est contré et le DDT de Roman Reigns. Le coup de pied qui est mal visé par Reigns. Encore cette fois-ci, il passera le coup de pied derrière. Il va travailler un petit peu le bras du Miz avant de le relever. Le projeter dans les cordes. Le Miz qui rebondit et le coup de la corde à linge du Big Dog. Le coup de pied. C'est contré par le Miz. Le Miz qui va l'écraser encore une fois, comme tout à l'heure. Encore un side slam et derrière le coup de pied pour ramener Roman Reigns au sol. Et encore un. Pour montrer à Reigns c'est qui le patron. Et il enchaîne. Le coup de pied au sol. Et lui aussi à son tour va travailler le bras de Roman Reigns. Se venger de tout à l'heure aussi un petit peu peut-être. Reigns qui contre avec la prise que j'appelle le mini Rikiki Altitude Adjustment.
Attitude adjustment, j'ai encore attitude, je sais même pas pourquoi. Et Reigns qui va étrangler le Miz. C'est pas trop le genre de tactique que Reigns emploie d'habitude, mais bon. Et Superman Punch. Ça par contre, c'est une prise qu'il utilise souvent, le Superman Punch. Et Reigns qui prend son élan maintenant. Pur du Big Dog sur le Miz. Et le tomber maintenant. 1, 2. Un énorme. Simplement de dégagement du Miz qui est toujours dans ce match. Et le coup de pied de Reigns. Et la soumission, ça peut se terminer là-dessus. La soumission de Reigns qui est en train de tordre le Miz. Il est en train de le tordre. Et le Miz qui arrive à s'en sortir, à repousser Reigns. Mais Reigns qui va encore une fois s'emparer de Miz. Attention, il l'a sur ses épaules. Attention Reigns. Oh, oh là là. Ouh, et derrière, ouais, mais le Miz est complètement KO là. Cette prise, ça l'a mis complètement KO. Mais là, il arrive à contrer. Et le coup de bélier de du Miz, excusez-moi, sur Reigns. Coup de pied. Et encore un coup de pied pour encore une fois travailler le bras pour le Miz. Le coup de poing maintenant. Ouh, là, Reigns doit avoir mal au ventre. Oh, le coup dans le ventre. Coup de genou là. Et le Miz un petit peu provoquant envers l'univers de la WWE en faisant non. Peut-être pour leur montrer votre chouchou ne gagnera pas, bah votre chouchou pour certains en tout cas, parce que Reigns est détesté un peu, mais un peu adoré aussi par les enfants. Le Miz qui relève, Reigns, le genou là. Cette prise que je n'apprécie pas car il l'a volé, il se moque de Daniel Bryan à chaque fois qu'il l'a fait. Mais en tout cas, le Miz qui enchaîne, Skull Crush finale du Miz. Le tombé, il va battre Reigns, Miz va battre Reigns, 1, 2, et non, simplement 2, dégagement de Roman Reigns qui s'en sort face au Miz. Le Miz maintenant sur la deuxième corde et c'est esquivé par Reigns, c'est encore un coup de pied maintenant. Et le genou contre le visage. Bon maintenant, ça fait un partout au niveau des prises qui auraient pu finir le match, chacun s'est dégagé du finisher de l'autre. Et le Miz qui ramène Reigns au sol. C'est exécuté à la perfection. Boisha next week. Voilà. Et Reigns qui revient avec un petit coup assez malin. Ah, attention là par contre tu t'es fait piéger. Reigns trop lent. Et attention le Miz, le coup de la guillotine. Oh là là, le coup de la guillotine là. Et c'est fait pour le Miz. Le tombé hein. Le tombé simplement un dégagement de Reigns. Il y a plus le Miz sur cette guillotine là. Le Miz qui a l'air un peu hésitant. Attention à pas trop hésiter pour Miz. Et oui, Reigns l'a repoussé. Le coup de poing de Reigns. Et c'est contré, le petit coup derrière. Très malin. Un coup de poing de Reigns qui revient. Le Miz n'a pas su en profiter. Et attention, Samoan Drop de Roman Reigns. Et maintenant il va un petit peu, demander à l'univers de la WWE de l'encourager, mais aucune réaction n'est donnée par la foule. Le coup de pied de Reigns. Roman Reigns qui relève le Miz. Attention, il va l'attraper. Il va partir. Oh là là, le balance complètement là. Roman Reigns, il est prêt. Et il est prêt pour finir ce match avec un deuxième. Qui passe de Roman Reigns. Le tombé. 1, 2. Et non, et on est accru. Il a tapé, c'est ce que lui dit Reigns. Mais il a pas eu le temps d'annoncer le 3. Et le Miz est donc toujours dans ce match. Incroyable que le Miz se retrouve toujours dans ce match. Quelle résistance, il travaille encore le bras. Il s'énerve là, Reigns. Il tourne un peu, il est un peu hésitant. Il s'énerve là, on le sent. Et c'est contré par le Miz. Le coup de pied dans l'abdomen et c'est prêt, ça c'est parfait pour le Miz. Le DTT spécial Miz qui passe. Et attention le Miz, et oui c'était son coup spécial je crois. Et Miz va enchaîner. Et cette fois-ci ce sera pas Skull Crush Finale, c'est la prise en 4. La prise en 4 du Miz. Reigns va-t-il taper? Ce serait là en suprême face au Miz. Attention, c'est retourné, la douleur est pour le Miz. La douleur, et le Miz s'en sort. Le Miz s'en sort, mais Reigns a retourné, le Miz avait donc très très mal pendant 5 secondes là à peu près. Et c'est encore une fois contré par Reigns. Roman Reigns. Et il est prêt avec un troisième. Si un troisième passe, ce serait fini pour le Miz. Attention, pur avec un énorme élan. Le Miz, regardez, il en tremble. Le Miz est complètement KO. Le tombé de Roman Reigns. Troisième spear avec un énorme élan. 2.
Et 3, le gagnant de ce match s'appelle Roman Reigns. Il continue sur son excellente lancée depuis WrestleMania. Voici votre gagnant, Roman Reigns. Attention, attention, attention. La soumission machine, la soumission machine. Samoa Joe, il est là, Reigns vient de le voir. Le coup de poing de Joe. Attention, Samoa Joe, là par derrière l'attaque. Il sort par maintenant de Reigns, attention. La souplesse est contrée par Reigns qui s'en sort. Attention, Samoa Joe. Reigns qui enchaîne avec un... Oh là là, il a cassé sur le genou là. Reigns qui relève Samoa Joe. Il s'empare du Samoan et Samoan drop de Roman Reigns. Et Roman Reigns qui est prêt à reprendre, qui est prêt à répondre à Samoa Joe qui l'a attaqué. Spear de Roman Reigns. Il est impressionnant. C'est le quatrième spear dans cette soirée du Big Dog. Mais quel catcheur! Quel catcheur que c'est Roman Reigns! Ouah, le Miz! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que faisait le Miz? Il essayait de rouler bizarrement. Et donc nous on va s'arrêter là, je vous officialise le match, je ne connais pas encore la stipulation, donc plusieurs matchs, hein, donc je ne connais pas encore la stipulation, on les découvrira tous ensemble lors du show. Ah moi je le saurai du coup quelques minutes avant vous, puisque c'est moi qui choisirai les stipulations. Mais Reigns en tout cas gagne une confrontation directe face à Samoa Joe à quelques jours donc de leur futur affrontement qui vient d'être décidé par moi lors de Extreme Rules, et gagne face au Miz. Donc sur ce, salut tout le monde et à la prochaine pour le dernier show avant Extreme Rules SmackDown Live.